Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour m'entrer la caillou pour me porter pour toute dernière information à travers le pays d'Haïti. Tant que l'autre bord de l'eau, jeudi à ce mercredi 24 janvier 2024. Bienvenue dans le journal Créole, nous, jeudi à en collaboration avec VOA Créole. Actualité dans le pays d'Haïti, révocation directeur général ANAPLA, Agence nationale des airs protégés, et bien la cause, amis internautes, agent Bessapio à toute population nanhenche, et bien mettez pied à terre pour que capable pas yon réponse avec Ariel Henry qui fait révocation si là. Luis Abinadel bon côté parle en République Dominicaine, salué gros décision ça Ariel Henry prend pour évoquer Jean-Tel Gentil nan tête ANAP. Ici nan pays États-Unis, victoire ancien président Donald Trump sous Nikki Haley nan élection primaire New Hampshire yo, et bien prochaine étape là c'est pral Caroline du Sud. Et nan pays Argentine, yon gros grève générale contre politique président Javier Milei, la cause environ gain 300 vols avion qui rivaient annulés. Dans le Moyen-Orient, la guerre Israël Hamas a toujours à continuer pendant une grosse décision qu'a essayé prendre pour capable gagner les amis internautes une solution qui arrive joindre ou du moins yon se selfie. C'est tout point ça yo à divers plots nous gal rivé développer pour vous. Dans journal ça jodi a pas oublier monde qu'a présenté au journal jodi a encore ses amis Jerry Cheristal. Une autre fois encore gros bonsoir pour nous tout et bienvenue dans développement journal si là. Gagné madame, mesdemoiselles et messieurs, à une révocation directeur général et ANAPLA, Agence nationale des airs protégés, Jean-Tel Joseph, lui-même qui rivait joindre révocation Ariel Henry après une décision que lui-même l'était rivé prendre ensemble avec plusieurs membres commission, plusieurs membres conseil qui gagnait en dedans gouvernement là, eh bien lundi a c'était décision qui était capable révoquer Jean-Tel Joseph. Eh bien hier dans journal Le Moniteur, puis grand journal qui gagnait dans pays a, eh bien il a arrêté à lui-même, il était sorti Jean-Tel Joseph, il pas arrivé encore comme directeur général ANAP qui sous tutelle madame, mademoiselle et messieurs ministère de l'environnement, et ANAP lui-même qui gagnait Jean-Tel Joseph qui était coiffé là après que des gros décisions lui après gros décision et Jean-Tel Joseph lui-même lui prend qu'il capable marcher ensemble avec Guy Philippe. Et bien c'est une raison qui peut permettre que et bien gagner Premier ministre Ariel Henry li pral choisi pour capable retirer Jean-Tel Joseph nan poste si la après une décision pareille. Gagnent plusieurs monde qui déjà nan tête ANAPLA, gagnent lieutenant, gagnent membre, gagnent coordonnateur, et tout moun sa yo déjà nan tête ANAP. Et Jean-Tel Gentil lui-même li sorti, li Ariel Henry li retiré là. Et bien décision ça t'a pral permettre que gagnent agent ANAP yo, agent Bessap yo, yo tout nan rench yo soti hier soir zami internaute pour que capable faire tout moun rentrer parce que yo fait comprendre c'est yon guerre que Ariel Henry lui-même li déclaré yo même nan rench nan Belader ensemble avec Wanamet à tout l'autre côté qui gen agent Bessap yo mobilisation li déjà faite pour que tout moui agent Bessap mette corps dehors pour faire yon seul pour que capable goumen contre Ariel Henry qui retire chef yo nan tête ANAP. Et bien jodi a situation te extrêmement dégénéré et même compliqué en dedans Wanamet. Gagnent plusieurs moun qui trouvé aux amis internautes dans population yo te mette pied à terre avec agent Bessap yo pour capable courir contre phénomène ça, contre travail ça que Ariel Henry lui-même li fait. Et là t'a pral gagner plusieurs agents BI dans police nationale d'Haïti qui t'a pral dans affrontement ensemble avec agent Bessap yo, et yo te tiré sur population agent Bessap yo même yo te mette yo en position de guerre. Si toutefois bagala lui-même li t'a dégénéré et déjà gen en pile moun en dans Bessap qui déjà fait connait Ariel Henry mon pièce ça li pa capoté. Yon l'autre côté, gagné Luis Abinader lui-même bon côté parle qui salue gros décision et bien Premier ministre Ariel Henry lui-même li prend pour qu'il capable retirer Jean-Tel Joseph nan tête ANAP. Et bien pas oublier que ANAP c'est une gagné agent Bessap yo, c'est agent ça qui t'est préparé yo, qui t'est metté au fait on seul pour que capable et bien poté coller ensemble avec un canal là qui t'a fait en dedans Wanamet. Et bien Luis Abinader
Sander, beaucoup de parler même qui devait connaître canal ça lui représenter yon menace pour République Dominicaine. Il demandait pour qu'il capable craser et bien à Jean Bessapio retirer craser Bessap retirer ANAP et pour que ça qui le canal là lui-même pour qu'il pas fait alors que gain jodi a pendant canal là lui-même ni vinn fait et le premier ministre Ariel Henry lui retirer Jean-Tel Joseph dans tête ANAP comme quoi que et bien ANAP lui-même yo même yo fait un seul pour qu'il capable et bien goumer contre lui-même ensemble avec Guy Philippe, eh bien, Luis Abinader lui-même, lui salue gros bout de tonton décision ça, côté que Premier ministre lui prend pour retirer Jean-Tel Joseph nan tête ANAP. Et dans une réunion qui est faite semaine passée, il était mandé ensemble avec Luis Abinader, mandé ensemble avec Ariel Henry pour que lui capable craser Bessap, eh bien, ces réunions ça, qui était fait en semaine passée. Pendant ce temps, c'est de même lui-même bon côté parle, yo tout abattant gros bravo, yo tout content de ce que Jean-Tel Joseph lui-même qui t'a préparé l'esprit de monsieur Bessapio, je dis à lui pas là encore, eh bien Luis Abinader lui continue ensemble avec même langage ça pour qu'il capable eh bien non seulement retirer Jean-Tel Joseph dans tête Bessap et c'est tout pour qu'il capable eh bien craser Bessap pour pas et pour quoi ça lui pas exister dans pays d'Haïti. Gros manifestation dans Pétionville jodia en dedans pays d'Haïti ak plusieurs l'autre côté, mais quand il s'agit de Pétionville, yon manifestation qui t'a commencé bon place Boyer qui t'a fait qui t'a prend plusieurs autres directions qui t'a gen en tête li tout Toyo et les Rosemont Jean qui t'a prend direction Canapé 20 ak plusieurs autres endroits pour forcer Ariel Henry quitter pouvoir et si toutefois les mêmes li pata quitter pouvoir selon l'engagement plusieurs manifestants et Toyo et les Rosemont Jean et bien les mêmes yo va gen capable déchouquer et retirer avec toute qualité matérielle qui gagne yon façon pour population les mêmes li capable une chance pour qu'elle capable fonctionner dans pays d'Haïti libre et libre. Yon gros di fait éclaté madame mademoiselle dit monsieur Jodia en dedans Miragouane et bien nan yon endroit qui relé directement la qui est Kafou la Croix et bien gagnen yon moun qui rive victime et divé ça li rive prendre yon conteneur pièce pour nous pour que j'aime capable et bien identifier et connait comment divé ça li fait rive prendre et majorité moun qui te gen bagay yo en dedans conteneur yo tout rive boulé mais en début de tout gen yon seul moun qui rive victime nan difé si la actualité a nan pays la actualité a nan pa bo ici nan pays États-Unis gagné les gros victoires ancien président Donald Trump lui-même li fait sous Nikki Haley nan élection primaire yo nan New Hampshire et bien qui s'est passé pral gagné yon prochaine élection c'est pral avec Caroline du Sud et bien Donald Trump lui-même qui te prend la parole pour le faire connaître Jean lui-même li gagné élection ça paraît-il que et bien Nikki Haley lui-même il était pensé il était capable remporter élection ça et bien pral battre pour qu'elle capable préparer lui en façon qu'elle capable faire face carré ensemble avec non seulement Caroline du Sud mais avec en face président actuel là qui c'est Joe Biden. Dans pays Argentine, gagne un gros grève en général contre politique nouveau président argentin nouveau président argentin qui c'est Javier Milei. Javier Milei lui-même li vini avec yon politique côté population, yo pas arrivé accepter ensemble avec lui, ça ta la cause gagne environ 300 moun qui t'a supposé voyager pour aller dans plusieurs autres pays, mais politique ça que lui-même vient ensemble avec client permettre que en voyage ça yo pas arrivé possible. Dans pays dans Moyen-Orient, gagne guerre Israël Hamas lui-même et ben qui toujours à continuer malgré gagne militaire israélien yo décidé capable finir ensemble avec militant Hamas et surtout ensemble avec yo problème humanitaire qui gagne dans Gaza, situation li paraît compliquée et travail ça qui va être côté guerre ça qui commence depuis le 7 octobre 2023 la côté gagne un valet militant qui trouve nan men madame mademoiselle dit monsieur et militant Amasio et bien gagne Israël yo même yo cementé malgré gen gros décision qui a fait gen gros décision qui a prend comme quoi que pour capable gagne une solution pour joindre une solution entre Hamas ensemble avec zami internautes Israël mais Israël yo fait qu'on est li possible pour que ça pas jamais rive fait parce que depuis
militants Hamas qui étaient fin prend Israélien yo, eh bien li pa yo te déjà connaît guerre ça li pa jamais fini tout autant que même yo pas fini ensemble avec tout militant Hamas yo en dedans Gaza. Eh bien décision qu'a bat pour prendre capable gagner yon se selve ou du moins ça pour joindre une solution nan guerre ça, eh bien dirigeant Israël yo fait connait ça li pa jamais possible parce que fok yo fini net ensemble avec militant Hamas yo pour que même yo pas exister. Voilà, madame, mademoiselle, dit monsieur, c'est là nous mettions fait ensemble avec journal là pour aujourd'hui. N'a quitté ensemble avec VOA Creole pour plus de détails. Mercredi 24 janvier 2024, et c'est un plaisir pour VOA Creole entrer la CAO pour le présenter au programme dans langue créole haïtien, quelques grands points cap dominé actualité. Like a speech like she won. Actualité électorale ici aux États-Unis, victoire ancien président Donald Trump sous Nikki Haley dans élection primaire New Hampshire, prochaine étape là c'est Caroline du Sud. Dans le pays Argentine, il y a une grosse grève générale contre politique président Javier Milei, la cause annulation 300 vols avions environ. Et puis dans le pays d'Haïti, révocation Jean-Tel Joseph comme responsable agence nationale des aires protégées ANAP, membre Sapio levé campé dans Hinch et dans Wanamet. Et c'est pour ça yo avec l'autre encore nous pourrons le développer pour dans un petit moment et bien gros fervé électoral ici aux États-Unis surtout à primaire et dans New Hampshire hier soir. Oui, dans actualité électorale là ici aux États-Unis et bien tout le monde gars attention branché sur New Hampshire qui t'a recevoir élection primaire et qui te mette face pour face président ancien président Donald Trump avec ancienne ambassadrice l'ONU Nikki Haley et ben c'est une victoire ancien président. Nous pourrons gagner plus de détails avec Serge Rodriguez. Ancien président États-Unis Donald Trump remporté une victoire facile dans l'élection primaire qui s'est déroulée hier mardi 23 janvier dans l'État New Hampshire, qui donc livre rival Nikki Haley sous Bantous, du moins pour Kounia. Il y a quelques analystes politiques américains qui ont misé sur une victoire surprise en faveur ancien ambassadeur États-Unis des Nations Unies dans New Hampshire, côté même électeur qui par républicain capable de voter. Sous Bopali, ancien gouverneur État Caroline du Sud l'a cémenté pour continuer bataille pour investiture Patilia, malgré des faits qui sont subis hier mardi. Sandy Petet, ta victoire dans l'élection primaire New Hampshire a créé possibilité pour un nouveau face-à-face entre M. Donald Trump et rival démocrate Joe Biden qui a occupé fauteuil bourré la Maison Blanche là, journée aujourd'hui. Dans la déclaration, M. Trump fait sous question, il dit like a speech like she won. C'est qu'a passé comme ça, et pas ni qui a parlé tant que c'est lui qui t'a gagné, mais il a perdu. Au cours de la semaine passée, moi t'ai gagné un petit problème. Gouverneur Ron DeSantis était fâché parce que Nikki t'a essayé de faire quoi, il a gagné dans l'État Iowa. Et moi t'ai dit, est-ce que c'est pas un troisième? And I looked around. I said, "Didn't she come in third?" Un candidat républicain qui a abandonné Kusla Kunia, Vivek Ramaswamy, te prend la parole dans New Hampshire pour dire. What we saw tonight. Ça nous a soué ces notions l'Amérique d'abord qui portait la victoire sur notion États-Unis en dernier. C'est ça nous constater à soué là. Pour ça que concerné candidat Nikki Haley, il était parlé sous conséquence de nomination Donald Trump capable de gagner dans le cas d'élection générale 2024 là. With Donald Trump. Ce que tout le monde connaît dans la politique aux États-Unis, c'est que les démocrates n'ont pas qu'à attendre pour affronter Donald Trump parce que c'est seul républicain dans le pays à Joe Biden qui a battu. Ou pas qu'à corriger, ou pas qu'à remédier une défaite dans une élection. Si le parti républicain a choisi Donald Trump, ça pourrait être Joe Biden et Kamala Harris dans l'autre mandat. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Et oui, n'a pas entré qu'on y a dans la région Moyen-Orient pour nous parler de guerre et Israël Hamas là, bien affrontement entre Israël avec les militants Hamas a continué pendant que guerre négociation qu'a fait pour t'ajouter une solution dans la guerre ou bien pour joindre un cessez-le-feu. Nous parlons de mise à jour avec Gentil Augustin Junior. Pendant yon envoyé spécial États-Unis voyager dans Moyen-Orient pour al diskite ak leader yo pour joindre yon entente dans la guerre entre Israël ak groupe Hamas la, ça pas empêché l'armée Israël la continuer ak attaque li yo sous zone Gaza. Ça qui plonge population Gazaoui a dans plus difficulté humanitaire. Pas gen aucun suspens tir. Dans année passée ya, te gen yon ti pause pour raison humanitaire, Hamas te violé accord ça. Et fond médiation internationale
militants visaient échange otages israéliens pour prisonniers palestiniens pendant un mois, proposé un suspendre tiré dans Gaza. Un manifestant a dit que le gouvernement a dû négocier un retour immédiat otages qui Gaza avant n'importe quel autre effort pour la guerre. We have to go out to the streets. Nous devons prendre la ria et puis demander pour cabinet à gouvernement joignent accord kounya avant toute bagaille pour faire retourner 136 otages qui prisonniers dans Gaza. C'est responsabilité gouvernement pour prendre soin citoyen liyo et puis assurer en sécurité la caillou. Dans ville Madrid pays l'Espagne, militant droit moun ak environnemental k'ap mande yon suspend tiré dans Gaza, te montré yon image géant, yon ti moun palestinien ki t'ap rele pour mande aide en les papote misé Reina Sofia dans Madrid. Pendant ce temps, l'armée Israël la continue à attaquer liyo sous Gaza qui cause gros dégâts dans mitan population. Nous te recevoir en pile moun ki blessé. Ayer, 14 blessés te rivé sorti dans région Halnawasi que force occupation yo te déclaré en sécurité. Mais c'est kounye ya situation catastrophique et puis très dangereux dans ville Rafah à cause augmentation quantité moun ki déplacé yo à quantité patient yo. Sous l'autre bord, groupe Hamas la publié yon vidéo édité hier mardi 23 janvier ya qui prétend montrer yon attaque roquette qui te touye 21 soldats israéliens dans zone Gaza. Alors que États-Unis et pays l'Égypte a fait médiation en deux parties depuis plusieurs semaines sous libération otages israéliens en échange pour une suspendre bataille, libération prisonniers palestiniens et augmenter aide dans Gaza. Porte-parole la Maison Blanche là, te parlé sous mission envoyée spéciale américaine Brett McGurk dans Moyen-Orient. Une des choses qui pral parler dans région 1, c'est possibilité pour une autre négociation pour otages. Qui t'a mandé yon pause humanitaire pi long pour faire ça arriver. Mwen pa ka di ou bien ki lè nou ka rive la. Mais conversation yo très modéré et sérieux pour yo essayer joignon l'autre négociation en place pour otage yo. Au moins 25 700 palestiniens mouri ak presque 64 000 l'autre blessés dans attaque l'armée Israël yo sous Gaza depuis 7 octobre là. C'est ça ministère santé territoire dit jeudi mercredi 24 janvier ya. Attaque sa yo c'est comme yon vengeance pour attaque 7 octobre groupe armé Hamas là d'après autorité Israël yo. 1200 moun te mouri ak 240 lot te pran en otage. Gentil Augustin Junior, Miami pour VOA Creole. Et pendant ce temps dans réunion Conseil sécurité Nations Unies hier mardi sous conflit israélo-palestinien, et bien secrétaire général là Antonio Guterres lui-même t'a demandé pour une solution de état. Il y a eu une discussion intense qui t'est faite et deux parties en parlant de partie Israël avec partie palestinien, et bien il n'est pas arrivé entendre sous une solution. Nous gagne sous place dans New York Valérie Saint-Louis. Secrétaire général des Nations Unies a été déclaré hier mardi devant Conseil de sécurité a que rejet gouvernement israélien pour une solution deux états avec un état palestinien indépendant ensemble avec peuple Israël là inacceptable et il risquait prolonger conflit. A lasting end to the Israeli-Palestinian conflict. Yon fin durable dans conflit israélo-palestinien qui arrive seulement à travers une solution deux états. Israéliens ont doué besoin légitime yo pour sécurité pays yo concrétisé et puis palestiniens ont doué tout aspiration légitime pa yo pour un état totalement indépendant, solide et souverain réalisé dans ligne résolution Nations Unies yo, loi internationale yo ak accord qui était signé avant yo. Occupation Israël là doit finir. Excellences, tout le monde doit reconnaître le droit peuple palestinien pour bâtir propre État pali qui est totalement indépendant. Et refus par n'importe qui parti qui ne veut accepter solution des États doit rejeter catégoriquement. C'est comme ça Antonio Guterres a parlé pendant la réunion Conseil de sécurité en présence de plusieurs ministres affaires étrangères et officiels de l'autre pays membre. Parmi eux, ministre affaires étrangères palestinien Riyad al-Maliki et ambassadeur pays Israël dans les Nations Unies, Gilad Erdan. Séance était très tendue avec des échanges et prise de position différents. Chaque représentant pays yo tap défend intérêt peuple pa yo. Ministre affaires étrangères palestinien Riyad al-Maliki te dit sous un bord, gen volonté communauté internationale là. Et puis sous l'autre bord, gen caprice sur premier ministre israélien qui gen un seul objectif. Bois si vive politique li sous dos des millions de Palestiniens qui ont même en bas occupation illégale qui a subi dans même peuple Israël là.
Netanyahu fait grandir bat l'estomac li publiquement plusieurs fois pour le faire connaître que l'était joué un rôle clé dans empêcher indépendance état palestinien à la paix dans région noire et li cementé pour continuer faire ça pas gain route pas bois li l'est pour reconnaître admission état palestinien dans Nations Unies yo pas accorder nous droit veto sur admission peuple israël là dans Nations Unies 50 ans de ça comme ça tout israël pas gain droit veto sur admission état palestinien 75 années plus tard bon côté par l'ambassadeur pays israël là dans Nations Unies Gilad Erdan dans moment que était la parole, il était parlé pour le dire. Should Hamas turn in those responsible for si Hamas te rend moun qui responsable attaque 7 octobre là et si Hamas libéré tout otage, la guerre ça t'a fini immédiatement. Ça c'est pas la guerre peuple Israël l'a t'a choisi. Mais nous pral défendre avenir nous. Gen un régime qui responsable pour patronner 90% budget la terre Hamas là. Et puis yo armé yo, yo ba yo formation. C'est même régime ça qui bail Hezbollah missile à précision et puis yo bail Houthis yo missile balistique. Régime ça bail yo l'ordre pour yo faire ravage et instabilité dans Moyen-Orient. Et bientôt Zak la Terre ça yo pral fait en bas un parapluie nucléaire. Mais conseil là fondamentalement ignoré menace ça yo. Menace qui c'est régime Ayatollah Iran. Réunion Conseil sécurité ça qui t'a fait hier mardi 23 janvier dans Nations Unies, t'a gagné plusieurs coups de pique qui t'a bail en bas table en deux états yo selon certains observateurs. N'a pas rappelé que la guerre a été déclenchée par attaque Hamas là dans date 7 octobre. Sous terre israélien, qui était la cause de la mort plus passé 1140 monde, surtout civils, d'après données officielles israéliennes. D'après ministre Santé Hamas, la peuple Israël a été promet pour annuler Hamas qui était sous pouvoir dans Gaza depuis 2007. Et il était lancé une vague opération militaire qui touillait 25 490 Palestiniens, en majorité femmes, timoun et adolescents. Antonio Guterres demandait pour ouverture nouveau route pour permettre aide humanitaire à traverser rivée dans Gaza. Aide là toujours insuffisant pour plus passer 2 millions de monde qui ont souffri. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valerio. Faut dire que dans le moment où on a parlé là, ou bien dans le moment où le reportage a fait là, il y a une pile négociation qui a fait pour être aussi capable de joindre un cessez-le-feu dans la guerre Israël contre Hamas. L'autre point dans l'actualité, nous parlons de l'immigration. Les États-Unis continuent à déporter immigrants illégaux dans le moment où ils travaillent avec le Mexique pour diminuer la pression qui gagne sous frontière de pays partagés. Jean-Robert Philippe a suivi de près pour nous. Jean-Robert, Mounsayo, en général, ils sont dans l'Amérique centrale, là, y compris Caraïbes là, avec Haïti là-dedans, semblé Amérique du Sud. Jean-Robert. Oui. Ils ont dit à ces immigrants qui font voyage, nous connaissons un long voyage qui traverse les forêts d'Ariane, entre Guatemala et puis Mexique et puis à la frontière. Donc c'est dans le contexte ça que le Mexique a annoncé qu'il va faire une réunion avec les États-Unis et Guatemala. Parce que là, parce que Guatemala a une frontière avec Mexique. Donc le Mexique sont portes d'entrée liées pour les immigrants. Ils ont passé Guatemala avant d'entrer au Mexique et puis ils vont aux États-Unis. Donc ils parlent de fonds pour travailler avec l'administration américaine pour qui mesure deux pays ça, on a parlé de Guatemala avec Mexique, capable d'aider ou bien soulager flot d'immigrants qui arrivent sur la frontière. Ce sont des grosses questions qui sont liées, mais ça va empêcher que les États-Unis même le disent, tout le monde qui n'a pas un asile aux États-Unis, eh bien, il a déporté la caillou. États-Unis déporté 130 immigrants Guatemala qui t'a cherché à rentrer dans le pays sans document légal pour demander asile. Immigrants sont arrivés à bord d'un avion spécial débarqué dans l'aéroport Aurora, dans Guatemala City, mardi 23 janvier. Pablo Pérez, un des déportés, qui t'a parlé avec l'agence Nouvelle Reuters, fait qu'on est. Llegar à Estados Unidos, casi lo último de llegar a. En la. La frontière de Mexico, partie qui était plus difficile là, c'est arriver aux États-Unis, à la frontière Mexique partagée avec les États-Unis. Fermé dans un centre de détention, tu dit en pile à cause de n'ont pas eu aucune nouvelle de famille non pendant 8 jours. Déporté, il y a là-dedans 17 familles avec adultes célibataires. Lucia González déclaré, il n'y a pas tant de nous, il n'y a pas posé aucune question. En pile parmi nous, a fait face à grosses difficultés et n'a pas quitté le pays nous pour un pile raison. Donc, yo te doué tendre nous d'abord. Yo ferme nous dans prison sans nous pas capable sortir. Autorité immigration Guatemala yo te accueilli immigrants yo qui était parmi groupe immigrants États-Unis déportés qui sorti non seulement dans Guatemala mais tout dans El Salvador, Colombie avec Venezuela. Nos trataron un poquito mal. Juan Luis Garcia parlait pour dire yo pas traité nous bien du tout. Manger a pas bon. Officiers d'immigration américains n'ont pas bien traité nous. Seul péché nous commettre, c'est entrer
aller aux États-Unis sans document légal pour demander asile. Ils ont refusé. En pays d'immigrants qui ont quitté le pays à cause de situation économique malouque, violence avec instabilité politique pour chercher une meilleure opportunité et sécurité aux États-Unis. Pendant que les États-Unis ont déporté les immigrants qui ont cherché à rentrer dans le pays sans document légal, le ministre des étrangers mexicain, Alicia Bárcena, qui a rencontré une délégation au niveau américain semaine passée dans Washington, dit qu'il mettait sous pied un plan pour lui diminuer la pression qui gagne sous frontière Mexique partagée avec les États-Unis. Nous aurons une réunion trilatérale México-Guatemala-États-Unis le plus pronto possible. Officiel mexicain, États-Unis avec Guatemala, qui pour rencontrer pour discuter de questions d'immigration. Ministre Bárcena a déclaré dans la condition de gagner dans Washington avec plusieurs officiels replacés américains, tant que le secrétaire d'État Anthony Blinken, dit deux parties voulaient permettre aux immigrants qui ont cherché asile de continuer à utiliser l'application CBP One pour prendre rendez-vous avant d'aller sur la frontière. Ministre Bárcena a fini pour dire officiels du pays ont entendu sous 10 accords importants. À donner attention et aborder les causes d'origine, ce que les États-Unis. Hablamos de root causes. Lo segundo, ambassadeur des États-Unis au Mexique, Ken Salazar, dit entendement prévoit attaquer cause réelle immigration, créer voie légale pour immigrants rentrer aux États-Unis et puis appliquer la loi contre monde qui veut les lois sur immigration. Jovert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert. Avant d'aller dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, nous parlons en Argentine côté plusieurs milliers de citoyens descendent dans la rue Buenos Aires pour protester contre la réforme économique nouveau président en parlant de Javier Milei proposé. Marie-Louis Pierre, quel détail sur ça? Dans le pays Argentine, président ultralibéral argentinien Javier Milei fait face à premier gros défi le jeudi mercredi, le moment côté citoyen pays a metté sous pied une grève générale avec une coquine manifestation qui déroulait côté envie dérèglement nouveau leader pays a fait face à quelques pièges. Plusieurs milliers de manifestants étaient réunis à midi dans le cœur Buenos Aires pour une mobilisation qui pit jam pays a jam gagné depuis plusieurs années sous gros initiative syndicat CGTA qui gagne 7 millions de membres là-dedans. CGT Argentina, c'est un centre péroniste qui proche gouvernement avant côté l'autre syndicat, mouvement gauche radical, avec organisation sociale, devine faire partie avec lui. Professeur Sergio Rosales, c'est un professeur que Volley pour Bariloche t'est annulé. Y como verás me desayuné con esto que no hay vuelos. Supuestamente los vuelos como que hasta el mediodía iban a funcionar después de las 12 cortaban. Semblait vol yo te supposé opérer jusqu'à midi. Après yo te fin annulé 12 dans yo. Mais non, yo te avancé grève là. Et puis moi pas connais ça qui t'est passé. En fait, compagnie yo, si vous regardez dans fenêtre compagnie étranger yo, yo gain personnel et compagnie argentine yo, yo tout vide. C'est dommage. Yo prévoit plus manifestation toujours dans plusieurs villes provinces et yo lancé un pile appel rassemblement solidarité dans la capitale étrangère tant que Madrid, Paris, Bruxelles et La Trier. Marie-Louise Pierre, VOA Créole. Merci Marie-Louise Pierre. Dans un petit moment, on a entré dans l'actualité dans le pays d'Haïti avec levé campé contre gouvernement et puis M. Bessapio, il y a même qui prend la rue et Wanamet avec Hinch dans un petit moment. Eh oui, ou sous VOA Créole, ou a suivi un programme dans langue créole haïtien. Actualité concernant pays d'Haïti, a mené nous dans la capitale à côté plusieurs groupes et groupements sociopolitiques qui ont pris la rue. Ils ont l'autre fois encore pour demander départ Premier ministre Ariel Henry. William Bossou a fait nous vivre ce moment ça. Nous parlons mal, nous veillons, nous prenons presque la paix du département et du personnel.
Souverain, en tant que peuple qui a cherché ça qui a bon pour le pays, nous dit Ariel, pas de droit, notre tête paysan, parce que c'est Ariel qui a sérieux le pays, parce que nous prenons Nexao de Dibosaké pour que vous président Jovenel Moïse. Nous 7 mois, président Jovenel Moïse, c'est arrêté, Nexao doit accepter de mettre veille dans la vie, famille, peuple haïtien, je ne le dis. Voilà, c'est une idée de l'évêque campé anti-gouvernemental qui était faite dans Port-au-Prince, capitale là. Et puis l'autre point dans l'actualité, dans le pays d'Haïti, eh ben, c'est un arrêté, conseil des ministres qui révoquait Jean-Tel Joseph comme responsable Agence nationale des aires protégées, ANAP, et membre Bessapio. Yo même, yo pas content, yo levé campé dans Rinche et dans Wanamet. En suivre, levé campé ça dans Rinche avec M. Jean-Tel Joseph. Dans le temps, c'est un courtoisie et mon premier TV. Donc c'était une idée de qui ainsi levé campé ça atteyé dans Rinche et te gain tout dans et Wanamet qui était chauffé sérieusement hier soir, mais d'après dernière nouvelle, et ben t'a semblé que plus ou moins gon calme dans Wanamet zone canal là. Et puis l'autre point dans actualité, il faut signaler que gouvernement fait connaître que et agence là en parlant de ANAP, et ben il était à débattre en bas en crise fonctionnelle, et c'est peut-être ça gouvernement dit il nomme une commission technique pour restructuration agence ça. Nous parlons qu'on y a dans Jérémy dans département grand dans ce pays à côté partisan ancien sénateur élu Guy Philippe ak Alielio dans grandance bayon conférence pour la presse sous mouvement protestation dans Jérémy et voyez sympathie by famille qui victime dans incident lundi 22 janvier 2024 là qui la cause au moins 4 moun perdu la vie. Nous gen sous place journaliste Mackenson Charles. Dans une conférence pour la presse, partisan ancien sénateur Li Grandansan Guy Philippe ak Ariel Yo tankou Kozé Grandans, Korega ak FRN rive bay nan après-midi 23 janvier 2024 lan, sous sa ki gen rapport ak mouvement protestation ki rive fèt nan Jérémy plusieurs fois kont gouvernement plas la, profite parler des sous motivation yo nan quatre mouvements si la. Nan batay nan pèn fòt la vie chè, plan bou, insécurité, kote machin pa ka voyaje, pou pase yon mwa à cause de gang Matissan, Mariani, Lopé, Gansitla. Côté yon galongage, monté 2700 Madame Sarah, pas qu'à voyager, l'hôpital presque pas fonctionné dans le département Gandance. Dans ce sens, nous avons pour les bétons, pour nous faire une revendication de passé contre le pouvoir de facto Ariel Henry et Sorel Jacinthe, comme plus gros corrompu département Gandance et qu'on est
face à revendication nous. Dans même sens ça, yo profité voyer sympathie yo bay famille ak zami moun ki victime dans cadre incident qui rivé lundi 22 janvier 2024 là dans ville Jérémy qui la cause. Y en total 4 moun rivé perdit la vie yo. Pendant yo profité mandé population hein, tant de mot d'audio. Nous voyer sympathie nous bay toute famille victime yo pendant n'a di yo bataille la pap camper, n'a fait tout ça possible pour nous porter plainte pour tout monde qui participé de près ou de loin dans massacre ça. Nationalement ou international. Une façon pour famille et société à jeune justice. Pendant la rappeler population, tant de mots d'ordre pour retourner prendre béton et puis opération fermée bio l'État a continué jusqu'à ce que le gouvernement de facto ça qui était tête pouvoir. Pour toute raison ça, nous demandons pour le commissaire gouvernement mettre action publique en mouvement pour tout le monde qui participe de près ou de loin dans le massacre tragique ça. Yon notre bord, Fonds pour Reconstruction Nationale, qui s'est parti, ancien sénateur Eli Grandeslan Guy Philippe, dans une lettre qui peut être signatie coordonnateur départemental Grandeslan, c'est Onel Cerizier et porte-parole yo Fitzgerald Frédéric, voyez ses parti by famille victime yo. Pendant la fois qu'on est, pourquoi gagne une note officielle qui sortit bon côté autorité ou dans Grandes, sur incident ça, ni détail bon côté responsable police Grandes yo. Depuis Jérémy Mackinson Charles pour VOA Creole. N'apprêtez toujours dans Jérémy, côté gain plusieurs habitants qui fait qu'on est qui gens y a souffri par rapport à la situation que y a vivre dans Jérémy et dans reste pays. Regardez, elle nous cache des dires, gros des dires, bon actuellement là, dans Jérémy, 25 dollars. Au moins, c'est lui la bonne 20 dollars. Dans le civil, n'a pas de dire, ni Tima, ni Javo. Pour 20 dollars, nous n'avons pas mangé, et nous n'avons pas été le monde en parce que nous avons tiré le monde, je le voulais, et en satiné le monde, nous n'avons pas de docteur, nous n'avons pas de primaire, nous n'avons pas de gaz. Si nous avons tout le bagage, nous n'avons pas de mourir l'hôpital là. Parce que je regarde pour moi là, je souffre, puis je souffre, ou l'autre a souffre. Pas grand changement qui a fait pleurer ça. Ça veut dire que si on a un qui a fait comme ça, comme révolution, pas de révolution qui a fait. En tout cas, le pays a c'est dans le même bourgeois, dans le même bourgeois, parce que c'est malheur à souffrir. On va faire combien de temps sans manger, puis si tout a grand goût, même moi a grand goût. Et c'est le moment ça que nous disons, nous-mêmes en séant dans tout le pays d'Haïti, nous lançons grève, nous tout autant l'État haïtien, pareil pour avoir revendication, non, et grève là a continué. Et l'État, son l'État qui s'est nucléé, il n'est pas attendu, et si nous le gouvernement Ariel, je ne veux dire vivre dans le pays d'Haïti, il n'y a rien vivre pour nous-mêmes en séant. Et tout le reste, nous sommes censés aller, y aller dans l'autre pays, et l'État, comme si nous avons dit rien n'était. Je ne veux dire qu'il n'a continué de mobiliser le gouvernement Ariel Henry, et moi-même, c'est ta décision. C'est tout à fait normal. Mais ça fait des gens qui prennent du vent, qui parlent de révolution, qui parlent de ceci, cela, c'est l'autre bord. Nous pouvons, ouais, et pas n'importe qui est capable de prendre telle révolution au pays d'Haïti. C'était quelqu'un mon nom Jérémy qui t'a exprimé, qui t'a baillé position par rapport à la situation dans Jérémy, dans le département de Grandos et dans le pays à tout. Et puis, nous parlons pas les sciences et technologie. Kaéonautique, c'est un start-up français qui fabrique un moteur électrique multifonctionnel que yon moun capable utiliser pour mettre dans un bateau qui n'a pas de moteur ou bien utiliser le tant qu'un scooter sous la main Fred Gaimit. Ou c'est un pêcheur poisson, ou remé à dans la mer, dans piscine pour plaisir ou pas qu'on nage. On a le découvert à part ici là. Kay, c'est un stade français qui fait un moteur électrique multifonctionnel qui est un monde capable d'utiliser pour mettre dans un bateau qui n'a pas de moteur. Et en quelques secondes, ou capable d'utiliser le moteur ça dans un scooter électrique dans de l'eau pour espoir. Nicolas Kendez, qui s'est fondateur de Kai, a parlé de plus de moteurs multifonctionnels. Alors, nous, on est une société qui commercialise des moteurs électriques pour bateaux de nouvelle génération. Donc, on l'a ici derrière. Donc, on est complètement connecté, donc avec une appli, une télécommande. On a des fonctions avancées de détection des chutes, par exemple, quand on tombe du bateau, ça s'arrête automatiquement. Là, par exemple, je vais pouvoir le démarrer à distance. Je vais se mettre en route, on a plusieurs vitesses, etc. Et la spécificité, c'est qu'on peut le transformer en quelques secondes, par exemple, en scooter sous-marin. Hop. On le prend, on fixe la poignée. Voilà, et on peut aller se promener à plus faible puissance pour faire du snorkeling, la balade aquatique. Et
puis voilà, après on le réplique sur son bateau et on rentre à la maison. Nicolas fait nous connaître que le moteur a gagné une batterie électrique qui est intégrée. La batterie est intégrée, c'est rechargeable par le port externe. Sur une annexe de bateau avec 4-5 personnes à bord, à pleine puissance, on a une heure d'autonomie. En mode scooter sous-marin, on est plutôt entre 2 et 3 heures d'autonomie puisqu'on est à des puissances plus faibles. On a une centrale inertielle à l'intérieur dont la télécommande également, et on est en train de développer effectivement avec le GPS du téléphone de la navigation autonome, de l'ancrage numérique, garder un cap, etc. Donc c'est en cours, tout à fait.